Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour les Spartiates. Alors aujourd'hui, pas de casse de Spartiates, pas de salle de sport, on est là pour une vidéo spéciale conseil sur les compliments alimentaires. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 compliments alimentaires essentiels pour progresser dans le domaine de la musculation. Donc pour élaborer cette vidéo, je me suis basé sur 2 termes. Le premier terme, c'est l'anabolisme. C'est la phase où le corps il va construire des tissus musculaires. Contrairement au deuxième terme qui est le catabolisme. Et là, le corps il va se dégrader, il va détruire des tissus musculaires. Il faudra éviter au maximum cette phase pour pouvoir progresser dans le domaine de la musculation. D'où la nécessité des compléments alimentaires qui vont intervenir par la suite. Donc, alors pour mon top 5, je vais citer. Alors, on va commencer par fish oil, oméga 3. Par la suite, BCAA. Par la suite, glutamine. Par la suite, vitamine. Et pour finir, par les protéines. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer notre top 5, on va commencer par les fish oil. Donc, les fish oil, c'est des capsules de concentré d'oméga 3. C'est des acides gras essentiels. Le corps ne peut pas en fabriquer naturellement, d'où la nécessité de les apporter d'une source extérieure. Alors, leur rôle, c'est quoi? C'est un anti-inflammatoire. Un anti-inflammatoire, ça aide à protéger les muscles et en même temps à récupérer plus rapidement. Donc, des muscles qui récupèrent plus rapidement, bien sûr, ça va favoriser la construction musculaire. Les fish oil aussi, ça favorise la synthèse protéique. La synthèse protéique, c'est quoi? C'est l'utilisation de toutes les protéines qu'on met à la disposition du corps. Après, les fish oil aussi intervient pour les gens qui sont en sèche ou en prise de masse propre, c'est une prise de masse sèche, ce qu'on appelle pendant la phase de lipolyse. La lipolyse, c'est, on va dire, l'utilisation du corps de toutes les réserves de graisse qui va les transformer en énergie par la suite. Donc ça, c'est la lipolyse, ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, pour la lipolyse, les fish oil, ça va favoriser la lipolyse, d'où le corps, il va utiliser les réserves de graisse, il va les transformer en énergie. Donc du coup, bien sûr, ces gens-là qui sont en sèche ou en prise de masse, bien sûr, quand ils vont utiliser les fish oil, bien sûr, ils vont perdre du gras, ce qui est favorable et intéressant. Finalement, les fish oil, ça favorise aussi la synthèse de testostérone, qui est à côté de l'hormone de croissance. C'est les deux bases pour la construction musculaire et le gain musculaire. Alors, quand est-ce qu'il faudra les prendre, les fish oil? Alors, les fish oil, il faudra les prendre pendant les repas et bien sûr pendant vos collations. Donc, personnellement, moi, j'en prends pendant les repas, les 3 repas du jour. Alors, concernant combien il faut en prendre, il faut en prendre entre 3 et 5 grammes de fish oil par jour. Une capsule, ça constitue 1 gramme. Donc, du coup, moi, personnellement, j'en prends 3 grammes, ce qui revient à prendre 3 capsules et je les prends les 3 capsules pendant mes 3 repas. Bien sûr, vous pouvez rajouter une pendant vos collations. Donc là, on va passer au deuxième, bien sûr, complément alimentaire. Alors, en quatrième position, on trouve les BCAA. Les BCAA, c'est des acides aminés essentiels. Donc le corps, il ne peut pas en fabriquer naturellement. Et composé essentiellement de lucine, isoleucine et valine. Donc là, je me suis basé pour confirmer tout ça sur un pot de BCAA de chez Delmotize. On tourne. Donc là, on trouve valine, lucine, isoleucine. Donc, les acides aminés interviennent, bien sûr, dans la phase de construction musculaire. Ils jouent énormément dans la phase de construction musculaire. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent de l'énergie. Ils aident les muscles à récupérer plus rapidement, d'où ils jouent énormément dans la phase d'anabolisme musculaire. Les acides aminés aussi interviennent dans la phase de synthèse protéique. La synthèse protéique dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'utilisation de toutes les protéines qu'on met à disposition
du corps. Finalement, les acides aminés, ils aident à la sécrétion d'hormones de croissance. Donc si on la combine avec les fish oil qui aident à la sécrétion de testostérone, et bim, ça c'est les deux bases pour la construction musculaire, d'où le gain musculaire. Donc pour finir, alors quand les prendre, les BCAA, personnellement, moi je les prends avant et après l'entraînement. Ça c'est pour le maximum, franchement le maximum, c'est de croissance musculaire et pour favoriser l'anabolisme. Donc du coup, vous prenez dans votre shaker entre 5 et 10 grammes de BCAA dans votre shaker post-workout et entre 5 et 10 grammes dans votre shaker de pré-workout. Donc là, on passe à la troisième position. En troisième position, on trouve la glutamine. La glutamine qui est un acide aminé essentiel que le corps peut en fabriquer naturellement. Et c'est l'acide aminé le plus présent dans le corps par rapport aux autres acides aminés. Après une séance intensive, il est susceptible de perdre ses réserves en glutamine, d'où la nécessité de se supplémenter en glutamine. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est quoi le rôle de la glutamine? Le rôle de la glutamine, ça aide à récupérer. Ça aide les muscles à récupérer et du coup, ça lutte contre la phase de catabolisme qui est la dégradation des muscles après vos séances d'entraînement. Ok? Donc, autre chose, la glutamine, elle augmente la concentration de leucine. La leucine qu'on a vu tout à l'heure avec les BCAA, qui joue énormément dans la phase d'anabolisme. Pour finir, la glutamine, elle aide à la sécrétion d'hormones de croissance, qui est combinée bien sûr avec la testostérone, va donner un gain musculaire maximal. Quand prendre la glutamine? Alors là, il faudra la prendre pendant les périodes où le corps il est susceptible de cataboliser. Quand? Après vos séances d'entraînement et avant d'aller se coucher, prendre entre 5 et 10 grammes dans votre shaker. Allez, passons maintenant à la deuxième position. Alors, en deuxième position, on trouve les vitamines. Mes chers Spartiates, je pense que les 50% de vous pensent se concentrer que sur les protéines. Mais non, il faudra se concentrer aussi sur les vitamines. Les vitamines, c'est quoi? C'est des substances organiques, alors essentielles pour le corps. C'est-à-dire que le corps, il ne peut pas en fabriquer de lui-même. Et en plus, ils sont à l'origine de tout processus de production d'énergie et de croissance musculaire. Ça veut dire que si tu n'as pas d'énergie, tu ne pourras jamais faire une séance d'entraînement. Du coup, c'est-à-dire que ça revient à prendre tous les compléments alimentaires. Si tu ne prends pas des vitamines, ça veut dire que tu n'as rien du tout. Voilà, point barre. Donc, quand est-ce qu'il faudra les prendre, les vitamines? Les vitamines, il faudra les prendre à jeun. Pourquoi? Perso, hein, parce que moi, quand je les prends à jeun, ça m'aide à les absorber plus rapidement. Au niveau combien il faudra en prendre, je ne peux pas, par exemple, vous dire exactement, parce que ça dépend. Ça dépend des vitamines, ça dépend des complexes. Bien sûr, vitamines, vous trouvez chez Optimum, ou vous trouvez chez Dermatize, ou chez n'importe quelle autre marque. C'est-à-dire que là, il faudra se fier, bien sûr, au mode d'emploi derrière, et regarder combien il faudra en prendre, bien sûr, pour avoir le maximum de construction musculaire. Donc là, on va passer à la première position. Et là, ça va vous plaire. Alors, en première position, on trouve les protéines. Les protéines, c'est les clés de la construction musculaire. Pas de protéines, pas de gains musculaires. Donc, du coup, les protéines, ils aident à construire de nouveaux tissus musculaires et aident à mieux récupérer. Alors, concernant les protéines, il existe deux types de protéines. Alors, les protéines, ce qu'on appelle la whey protéine, c'est la protéine à assimilation ou absorption rapide. À prendre de préférence avant et après l'entraînement entre 30 et 40 grammes dans votre shaker. Deuxième type de protéine, c'est la caséine. La caséine, c'est une protéine à absorption lente. C'est-à-dire que vous pouvez les prendre, par exemple, pendant vos collations le matin ou l'après-midi et avant d'aller se coucher. Avant d'aller se coucher, pourquoi? Parce que ça aide à construire du muscle pendant votre sommeil. Donc, pour récapituler, ces 5 compléments alimentaires, ils ne sont pas indispensables.
ok, mais c'est pas obligatoire de les prendre, les 5. Donc du coup, pour optimiser les résultats, bien sûr, si vous voulez avoir une construction musculaire et un gain musculaire au max, il faudra prendre ces 5 compléments alimentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous allez en profiter pour faire vos achats prochainement dans les boutiques de nutrition, etc. Alors, pensez à me suivre sur ma page Facebook Hardcore Team HK, envoyez-moi vos messages, vos questions, etc. Bien sûr, si vous voulez commander mon programme Spartiate, qui est un programme de transformation sur 10 semaines, franchement, les résultats, ils sont plus que formidables. Il faudra passer par ma page Facebook Hardcore Team HK. 10 semaines de transformation, il coûte que 50 euros. 5 euros la semaine. Là, le changement, c'est maintenant. Bien sûr, si vous voulez aussi commander mes t-shirts à 300%, il faudra passer par ma page Facebook Hardcore Team HK. Il coûte 18 euros, livraison inclus. Donc, j'espère que vous allez rester motivés. Suivez-moi sur ma page Instagram, Maître Cal, Twitter, Maître Cal, Snapchat, Maître Cal. Restez à 300%. Il y a un petit cri de guerre pour la fin. Oh!